Et coucou les rois du net, aujourd'hui petite vidéo particulière, une première pour moi. Je vais faire mon premier vlog. Voilà. On va aller boire un café. Où c'est qu'on peut aller boire un café? Quelque chose de cool, sympathique. À la Nesque, pas loin de la maison, à une heure à peu près. Voilà, une belle route magnifique, un endroit merveilleux. Allez, place à la préparation. C'est bon, j'ai enfilé mon pantalon, j'ai préparé mes affaires. Voilà, je vous montre un peu ce que j'emporte avec moi aujourd'hui. Bon, il y a mon casque de moto, voilà. Le réchaud, la cafetière, le café. Bon, et un peu du matos photo. Il y a un colis aussi, mais le colis, c'est rien à voir. Je dois le déposer sur la route à la poste. Voilà. Eh ben, écoutez, on va aller récupérer la moto. Et salut les rois du net. Voilà, ça fait une bonne trentaine de minutes que je roule. Je me suis arrêté pour vous montrer un peu la vue que je vois. Et regardez derrière moi au fond là-bas, c'est le Mont Ventoux, le fameux Ventoux. Voilà, je vous présente un peu la vue. Hop. La moto elle est là, des champs à perte de vue, des cerisiers, des vignes, une excellente vue. Rien de mieux, de beau matin. Pour se ressourcer. Allez, c'est parti, on va le boire ce café. Un petit café, comme promis, chose promis, chose due.
fera pas de mal à la nature, un peu d'eau, surtout dans notre région. Mais en tout cas, ça fait plaisir de me retrouver là avec vous. Enfin, je dis avec vous, comme vous n'êtes pas là, j'en profite un petit peu pour vous faire croire que vous êtes là, quoi. Oh là 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 là. Les difficultés du direct. Hop. On sert tout ça. Il y a un peu de vent, ça va être un peu dur. Mon petit verre toujours avec moi. Surtout à ne jamais oublier, mais vraiment jamais, jamais. C'est le briquet. Parce que ça m'est déjà arrivé. Le briquet ne marche pas. Ou qu'on peut. Donc après, c'est vraiment une galère. Ah ouais. La bouteille là pour pas que ça tombe. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon ben 45 minutes plus tard, toujours pas de café. Je sais pas, il y a un peu de vent, ça marche pas trop bien. Ah si, ça arrive, il commence à sortir. Je vais laver mon verre quand même, parce qu'il est un peu sale. Et voilà, ben en tout cas pour vous dire que ça me fait plaisir aujourd'hui pour cette première vidéo de partager ce moment-là avec vous. Voilà, j'y tenais parce que c'est quelque chose que je fais souvent en moto. Voilà, j'aime bien venir en moto dans des endroits un peu assez particuliers et boire un café comme ça, me poser, histoire de me détendre, sans pour autant perdre toute la journée. Voilà. Là il m'a fallu à peu près, on va dire en grosso modo, 2h, 2h30, parce que voilà, avec tous les aléas du direct, tu veux t'arrêter, tu veux faire une prise de vue, une photo, un machin et tout, ça perd du temps, voilà. Mais sinon, réellement, il y en a pour aller 2h max, faire cette boucle que je suis en train de faire, voilà. Oh là 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 là. Voilà, le café est prêt. Il n'y a plus qu'à se servir, le boire et profiter au max. Allez, à la vôtre. Ouh là là, c'est chaud. Voilà, voilà, petite présentation des lieux. Voilà. Ouh, bah là aussi que je vais boire mon café aujourd'hui. À la vôtre, petite visite du matin. Ah ben oui, mais bon, après, si vous avez trop tard. Après, ça, vous partez très tôt le matin. Et vous faites votre tour. Parce que moi, je vois, il y en a beaucoup, c'est pareil, ils se font aller sur le vélo, c'est tout le temps du matin. C'est au moment où vous allez. Visite ce matin. C'est au moment où il fait le plus chaud, d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir.
Bon, les rois du net, on arrive à la fin de cette expédition. Ce vlog est bientôt terminé. Je vais vous en dire un peu plus sur cet endroit. Car dire on va à l'Anesk sans aucune explication, c'est pas terrible. Hein, les gorges de l'Anesk se situent dans le Vaucluse, entre Monieux et Métamis. Deux petits villages touristiques du Vaucluse, les gorges de l'Anesk sont un canyon creusé par l'Anesk, cette rivière qui afflue de la Sorgue de Velleron, qui elle-même afflue du Rhône par Louvèze. J'espère que ça vous a plu, car c'est que le début d'une longue histoire qui commence. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter. Surtout, n'oubliez pas de partager à vos amis, vos proches. Ces vidéos seront peut-être utiles. Allez, à bientôt pour la suite.